Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois d'octobre 2022 pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux. Pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois d'octobre et je vais développer, je vais approfondir pour les célibataires dans une première partie et pour les couples dans une deuxième partie. Cet approfondissement, je vais le faire à l'aide de tarot et d'oracle. On y va tout de suite pour la lecture pour les Gémeaux célibataires. On va regarder votre entourage proche et la vie sentimentale. C'est parti. Alors, au niveau de l'entourage proche, on nous parle de douceur, de renouveau, de... Il y a quelque chose en fait, peut-être un changement. Vous êtes en mutation par rapport à l'environnement, par rapport à vos fréquentations, ou bien vous avez peut-être des gens dans votre entourage qui sont très variés, qui vous apportent beaucoup de plénitude en fait, hein, par la variété. Et aussi, vous composez avec les uns, avec les autres, avec différentes personnalités, différents traits de caractère. Bon, on sent qu'il y a quelque chose de très positif, de très généreux. On voit ici, au niveau aussi des amis de la communauté qu'il y a avec la reine de deniers, une réciprocité, des situations gagnant-gagnant. Beaucoup d'entraide, en fait. Vous avez un entourage qui vous soutient. Ok, alors, on va regarder si on peut avoir une information supplémentaire sur l'entourage proche. Qu'est-ce qu'on a? Le magicien, oui, donc des soutiens, des amis, des aides, des appuis. Peut-être que ça va vous impacter sur le plan sentimental, on va voir. En tout cas, sur le plan sentimental, qu'est-ce que vous avez? On nous parle ici de rééquilibrage après de la douleur. Donc ici, il y a une situation douloureuse, difficile du passé qui traîne, qui vous ralentit peut-être pour rencontrer votre âme sœur. Et on vous parle ici de rééquilibrage. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une balance qui entre dans votre vie, ou bien ça vient nous faire du pied là pour vous, que je vous parle de Vénus. Vénus qui est en balance depuis le 29 septembre, qui restera jusqu'au 23 octobre. Vénus en balance, elle va vous impacter à fond les ballons pour des opportunités en fait dans les rencontres ou les relations harmonieuses, en particulier sur le plan sentimental. Donc là, il y a quelque chose qui se rééquilibre, ou bien effectivement, Vénus vient vous apporter de l'amour. On va voir un petit peu si on peut avoir un message supplémentaire. Ici, 9 de coupe. Très très bien. Satisfaction. Alors, ici, on me parle d'une satisfaction. Vous voyez comment il est seul, hein, cet individu dans la carte. Finalement, j'ai des Gémeaux là qui sont OK pour être tout seul, qui ont l'habitude. Vous en accommodez, on va dire, pour certains. Vous en accommodez. Vous voyez, il y a une chaleur qui se dégage de vous. Voilà, vous. Ça va quoi, c'est bien. Mais en même temps, vous aspirez à autre chose. Alors, on va voir. On va voir. Déjà, on me dit de prendre l'oracle des miroirs pour comprendre un petit peu ce qui se passe de façon plus quotidienne dans votre vie, qui vous impacte sur le plan sentimental. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du temps. Alors ici, il y a une histoire de temps et d'enfants. Là, j'ai des personnes, peut-être qui se posent des questions, potentiellement des femmes, même des hommes vieillissants qui se posent des questions sur les enfants qu'ils ont eus ou qu'ils n'ont pas eu, la filiation. Si vous êtes seul et que vous n'avez pas d'enfants, voilà, il y a quelque chose qui s'impose à vous. Une question comme ça, un peu existentielle. Ok. J'ai aussi des gens qui sont en contact avec leur enfant de temps à autre ou pas suffisamment. Il y a quelque chose de très intime là. On va chercher dans quelque chose de très 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 intime. Ou bien j'ai aussi des gens qui sont en relation avec un sex friend. Bon, c'est une possibilité ici, une chance pour vous de positiver le sentimental, le sensuel. C'est une porte d'entrée dans la sortie du célibat, on me dit. Ok. Et une évolution, d'accord. Donc vous êtes en... Ah ouais. Oula. Évolution après un échec. Ou bien vous avez peur d'échouer. Ouais, voilà. D'accord. Là,
Peut-être qu'il y a eu un échec dans le passé qui vous met vraiment le doute et qui vous fait vous dire que bah, vous êtes mieux seul que mal accompagné, certes, mais mieux seul que risquer de souffrir. Ça, c'est possible. Vous avez peur de l'évolution, vous avez peur de l'avancée sur le plan sentimental et vous projetez clairement vos peurs dans une relation éventuelle. Bon, ok. Allez, on me dit de faire trois tirages. Alors ces trois tirages, je vais les faire avec trois agates sardonyx. Avec trois motifs différents. Donc je vous les montre. Le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, on a la première agate qui est assez foncée. Je vous laisse vous laisser porter en fait par les couleurs, par les formes. Le groupe numéro 2, voilà votre pierre. Groupe numéro 3. Allez, je vais faire un tirage. Pour les trois groupes, alors pour les Gémeaux célibataires qui regardent la vidéo, on y va. S'il vous plaît, donnez-moi des messages pour les trois différents groupes. Groupe 2, groupe 3. Top sentimental, la fin du passé, on vous dit d'abandonner les choses du passé. Hein. De ne pas rester accroché au passé. C'est 1, 2 et 3. Ok, allez, c'est presque fini, j'ai presque fini mon tirage. Bon, j'accélère pas la vidéo. En tout cas, bon, pensez bien que Vénus vous soutient hein, pour rencontrer quelqu'un si vous n'avez personne. Il y a vraiment du potentiel, voyez. Cette carte a sauté spontanément. Ça, c'est Vénus qui apporte vraiment de l'amour, de la douceur, du romantisme. Mais on va voir hein, sur le plan individuel. Alors, je vous invite à prendre le temps de choisir une des pierres, celle qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus, le numéro 1, 2, 3. Je vous laisse choisir par rapport à ce qui se dégage. Si vous ne pouvez pas choisir, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez écouter les trois messages. Je prends celui qui résonne le plus par rapport à votre situation. Et puis, peut-être que si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous est pas adressé. Et il n'y a aucun souci là-dedans. C'est quand même une guidance qui se veut générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Alors, allez, groupe numéro 1, l'agate. Donc le sardonyx, tous les trois, c'est des sardonyx, hein, de toute façon. On y va, groupe numéro 1. Donc quel message vous avez? Passion, le but, les projets. Waouh, bah dis donc, oh là là là, les promesses, l'engagement, la peur. Bon, ok. Ben, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, je pense que vous avez. J'ai des gens qui ont peur de l'amour, qui ont peur d'être. Je l'ai dit hein, tout à l'heure. Hein. Vous préférez que ça bouge pas, comme ça, vous n'avez pas de risque d'avoir mal. Donc, j'ai des gens qui ont très très peur de l'engagement, qui ont très très peur d'avoir mal, de souffrir. Et ça se comprend parce que peut-être que vous avez eu des histoires traumatisantes. Peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, mais là, manifestement, il y a quelque chose de concret qui arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans le viseur ou si vous êtes déjà peut-être à moitié avec quelqu'un, mais vous regardez quand même la guidance célibataire parce que vous n'êtes pas sûr de la qualité de la relation. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que ça sonne juste cette relation ou est-ce que vous sentez qu'il y a un couac, qu'il y a un truc qui ne va pas? Mais manifestement, là, il y a des choses. J'ai l'impression qu'il y a un engagement vis-à-vis de vous, là. Des promesses de projets, en tout cas. Et ça me semble concret. C'est pas juste en l'air, hein, parce qu'il y a de l'engagement ici. Hein, on retrouve deux fois l'anneau. Bon, donc là, il y a quelque chose de sérieux qui vient vers vous. Ok?
N'ayez pas peur, lancez-vous. Ça va pas vous. Il n'y a rien de définitif qui va se passer, hein. Rien n'est gravé à jamais dans le marbre. D'accord? Donc, laissez-vous porter, autorisez-vous à avoir cet amour qui vient dans votre vie. Voilà, ça c'était le groupe numéro 1 pour les Gémeaux célibataires. On passe au groupe numéro 2 avec la deuxième Agathe. Allez, on y va pour votre message. Alors, qu'est-ce que vous avez, vous? Ah, là, c'est pas tout à fait pareil. Tromperie, les mots, concrétisation de la crise, patience, effort. Bon. Alors là, effectivement, j'ai des gens qui sortent d'une crise, hein. Peut-être qu'on vous a trahi, on vous a abandonné. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous êtes peut-être en crise, vous, sur le plan sentimental. Mais, c'est super important déjà d'être bienveillant à votre égard, de faire preuve de patience. Patience, les choses, elles vont s'apaiser, elles vont se tranquilliser. Il y a peut-être un deuil à faire pour certaines personnes. Il y a un effort à faire sur vous-même, sur votre capacité à donner de l'amour. D'abord, donnez-vous de l'amour. Voyez cet arrosoir qui arrose, hein, il envoie des cœurs. Envoyez-vous d'abord les cœurs et les fleurs à vous pour pouvoir être ouvert. Et ça revient ici avec les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Pour le faire à la louche, si vous êtes persuadé que vous n'êtes pas aimable au sens de qu'on peut vous aimer, qu'on peut vous donner de l'amour, ou que vous vous dévalorisez parce que vous estimez que vous n'êtes pas comme si vous n'êtes pas comme ça, pas suffisant sur tel plan, ben vous avez toutes, là vous mettez tous les ingrédients de l'autre côté pour manifester, puisque la pensée et la parole sont créatrices. Vous avez tous les ingrédients en place pour vous préparer un bel échec en fait. Donc la pensée positive et les mots positifs que vous pouvez employer à votre égard vont aussi déterminer cet esprit de réussite. Mais je pense que ce n'est pas très très clair pour tout le monde. Tout le monde n'a pas pris conscience, enfin en tout cas les personnes qui sont vraiment directement concernées par ce message ont du mal à accepter. Mais regardez, ce qu'on vous dit, c'est que derrière, il y aura des concrétisations, c'est-à-dire qu'il y aura des conséquences réelles sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. D'accord? Mais il y a un effort à faire, on me dit. D'accord? Il y a des choses à mettre en place pour arriver à ce que vous désirez. Voilà, ça c'était le groupe numéro 2. Groupe numéro 3, avec la troisième pierre, donc. Allez, on y va pour votre message. Mes Gémeaux célibataires, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ok, le moment présent. Revenez au moment présent. Ah, il y a un arrêt. Durée. Ok. Alors là, j'ai une situation un petit peu compliquée parce qu'en fait, vous avez quelqu'un peut-être qui vous plaît. C'est très 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 immédiat. Hein. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Soit c'est quelque chose de très immédiat, soit c'est nouveau après un gros. Alors, soit une grosse traversée du désert, soit un gros clash là tout récent avec une sortie de relation et donc vous vous sentez seul parce qu'il y a eu un arrêt. Un arrêt, alors ça peut être suite à. Quelqu'un qui a manqué d'honnêteté sur les réseaux sociaux, qui vous a surveillé, voyez, là, on vous a mis une. On vous a. Ou vous avez fait ça peut-être, hein, sur le téléphone de l'autre, vous avez mis un petit espion, ou sur la voiture pour suivre les déplacements de l'autre. Enfin, un truc pas très cool quand même sur la liberté et sur l'amour libre. Après, chacun conçoit, hein, mais l'amour en cage, bon, ça permet pas à chacun d'être hyper épanoui. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc il y a un regret, quelqu'un fait une erreur par rapport à l'autre hein, et ça a mis un terme. Et là en fait, regardez, on a deux fois le sablier. Donc là j'ai plusieurs possibilités d'interprétation parce qu'ici on me dit, il y a Saturne ici, c'est une grosse leçon de vie pour certains. Vous avez appris de vos erreurs et vous ne répéterez pas. Vous ne répéterez peut-être pas ce que vous avez vécu. Alors avec ce nouvel amour ou pour ce nouvel amour qui vient vers vous, ça va dépendre de votre situation. Acceptez hein, d'avoir retardé les choses, revenez au moment présent, il n'y a pas vraiment de nécessité de regretter, vous ne pouvez pas rembobiner. Donc ce qui est fait est fait.
C'est pas la peine de nourrir des regrets, de vous mettre la rate au courbouillon, de vous, voilà, de vous flageller, de vous punir. Il y a une erreur qui a été faite ou vous avez manqué de discernement. Eh bien, revenez au moment présent, là où vous en êtes par rapport à vos connaissances, par rapport à votre compréhension de vous-même, de ce que vous avez accepté ou pas dans la relation, pour être ouvert à ce qui vient vers vous. Et a priori, il y a quand même quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Voilà. D'accord? Bon, ben voilà, mes Gémeaux célibataires, là j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a parlé. Donc, groupe 3, c'était votre message. J'ai terminé l'ensemble de la lecture pour les célibataires. Je vous invite à liker, partager, vous connaissez le petit blabla habituel. Merci encore pour votre présence, hein. Merci pour les likes, les abonnements, merci, merci. Je sens votre présence et c'est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très belles choses sur le plan sentimental et à tous les niveaux pour le mois d'octobre et pour la suite. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Allez, je range tout ça et je vais passer maintenant au tirage pour les Gémeaux en couple. Donc au niveau des énergies astrales, je le redis brièvement, mais on a des énergies astrales qui sont quand même super bénéfiques. Avec Vénus hein, qui est là jusqu'au 23 octobre, on a Vénus en balance qui vient vous impacter directement par le jeu des angles, mes Gémeaux. Donc vraiment de belles opportunités soutenues par Vénus pour faire venir de la douceur, de l'amour dans votre vie sentimentale. Donc vous êtes en couple, très bien, vous avez peut-être une crise ou vous avez envie de savoir où vous en êtes, vous posez des questions. Bien, vous voulez voir un petit peu ce qui va se passer par rapport au couple, savoir si ça va aller ou pas. Bon, moi je pense que ça peut complètement aller. Qu'est-ce qu'on a? Mais à voir, on va voir. Il y a forcément des gens qui sont en crise et on va regarder les messages pour eux. Qu'est-ce que vous avez à savoir, mes Gémeaux en couple? On y va. Alors, sur le foyer, vous, votre autre, et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Donc, pour le foyer. Vous, c'est le top, hein. Là, vous êtes aux anges. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de très, très positif, un sentiment de complétude, de réussite. Il y a peut-être eu un achat, une concrétisation, un achat de maison, on emménage ensemble, il y a un enfant en route. Bref, il y a quelque chose de très beau. Votre autre, il vient vers vous. Il vient vers vous, à mon sens. Pour moi, il ne part pas, hein. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Mais en même temps, qui n'aurait pas envie de venir vers ça? J'ai l'impression que vous apportez à votre autre ce dont il a besoin, elle a besoin. Bon, mais on va voir. Alors ça, c'est plutôt sur le plan du foyer, sur le plan de l'ancrage, peut-être même sur le plan matériel. On va voir quand même sur le plan sentimental comment ça se concrétise. Alors, pour vous, il y a quand même une notion de douleur, de blessure, de déception. Alors, est-ce que ça vient de votre autre? Je ne suis pas sûre. Moi, je sens que ça vient plutôt du passé. Et on voit qu'il y a des rééquilibrages qui se sont faits. On va voir, hein. Je vais recouvrir après avec un tarot pour voir un petit peu vers où vous allez. Et puis l'autre, c'est peut-être un signe de terre, hein. C'est possible que ce soit un capricorne, hein. Mais pas uniquement. Ça peut être un homme, une femme, une énergie féminine, pratique, pragmatique, qui a envie de... Ben voilà, que les choses se passent bien sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime, qui a envie de prendre soin de vous aussi sur le plan matériel. Donc, c'est bien, voilà. Là, je sens de belles énergies. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui regardent, qui sont OK. Voilà, et je sens que ce mois d'octobre, il est très, très favorable. Après, prudence, parce que Vénus va transiter le 23 octobre en scorpion. Et là, Vénus en scorpion, c'est la Vénus un peu mauvaise, c'est la Vénus rancunière. Et donc, elle prend un mauvais tour. Donc, prudence, est-ce que vous allez garder en stock? Et pas communiquer directement. Mais pour ça, il y a la nouvelle lune en scorpion qui va permettre de nettoyer des choses, hein, le 25 octobre. C'est l'occasion de faire la paix avec soi-même et avec les autres. Donc si vous sentez qu'il y a des tensions relationnelles, ça peut être le moment pour vous. Alors je vais prendre une carte de travail sur ça. Hein, je termine ma phrase. Une carte par maison. Et on va regarder le message. En complément. Alors, pour vous, sur le foyer, qu'est-ce qu'on a?
Intéressant, c'est un 8 d'épée, comme si on ne se sentait pas suffisant malgré toute cette connaissance, cette suffisance, cette complétude. Qu'est-ce que c'est ça? Et le soleil là? Bon, moi je crois qu'il y a besoin de clarifier, mais alors peut-être que l'autre part, il va, il vient, ça vous met le doute hein, pour certains, c'est peut-être ça. J'ai quelqu'un qui n'est pas forcément fixé, pourtant avec ce soleil, on me dit qu'il y a quelque chose de concret là, il y a quelque chose de très solide. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale? Un 3 de denier. Vous avez besoin d'un 3 en échange, en collaboration sur les idées. Vous avez besoin d'échanges sur le plan concret, matériel, sur le plan des idées aussi, on me dit, des valeurs. Bon, bah, ça c'est bien. Hein? Un roi de coupe, maîtrise de soi, amour avec discernement. Bon, là, je vais demander un éclaircissement. Pourquoi vous, sur le foyer, il y a ce 8 d'épée? Quel est le scénario? On va voir. Qu'est-ce qui se passe là? Quel message pour les Gémeaux qui entrent en résonance? Ben, il y a une victoire, alors je vois pas. Hein. J'ai des gens qui ont peur d'être heureux. Hein. Oh. Peur d'être heureux. Ok. Beaucoup de travail. Oui, alors après, c'est vrai que Saturne, c'est en relation avec le Capricorne, mais la maison 10. Peut-être que vous avez peur, vous culpabilisez de trop donner de temps pour votre travail et pas assez pour votre foyer. C'est possible. Vous avez peur qu'on vous accuse de quelque chose. Justement, c'est ça, d'avoir manqué de présence peut-être sur le foyer, d'engagement pour le foyer, d'investissement dans le couple. Mais bon, pas de souci, hein, chance, évolution. Je pense que c'est un peu dans votre tête. Alors, qu'est-ce qu'ils font là? Les Gémeaux qui se prennent la tête, hein, ou peut-être c'est votre autre aussi qui a cette prise de tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut avancer? Ah ben, hop, tempérance. Tempérance. Il y a besoin de s'ancrer, hein, d'après moi. De s'ancrer pour se connecter à des éléments spirituels. On a quand même déjà deux arcanes majeures. Alors, patience, d'accord? Ok, Saturne en taureau qui vient vous limiter, effectivement, les choses, elles ne vont pas à fond la caisse. Oui, il y a des ralentissements. C'est vrai, donc vous pouvez avoir le sentiment que bah, il peut y avoir, bah, ça avance pas assez vite, ou ça se concrétise pas assez vite, et je sais pas. Vous voudriez que ça aille trop vite, là, mes Gémeaux. Regardez ici dans les valeurs, la maison 9. Votre spiritualité, votre éthique, vos valeurs, vous aviez cette tempérance et on vous la rappelle ici en solution. Revenez aux fondamentaux. Ce qui est important pour vous, ce que vous chérissez. Et ça peut être sur le plan spirituel, je le disais, avec une notion d'ancrage fort. Avec la carte du chocolat qui vous invite à vous ancrer très très fort dans votre corporalité. Et en même temps d'aller aussi vers quelque chose de plus élevé, plus spirituel. Il y a une prise de conscience à opérer une transformation ici. Ici, on est avec la carte du jugement qui vient nous parler de changement, de prise de conscience, de révélation. Vous avez besoin de prendre conscience de votre valeur, j'ai l'impression. On me renvoie ici aussi à la maison 8, qui est la maison des changements et des transformations profondes, qui vous dit, ben oui. Dans la guidance générale, elle vous disait, c'est pas évident. Il y a un peu un défi sur le plan physique, sur le plan de votre influx nerveux, de votre influx physique. Vous allez peut-être vous mettre au clair, vous avez peut-être besoin, pardon, il manque des mots, de formuler clairement les choses que vous avez à dire, de les formuler pour vous et pour les autres, pour être très au clair par rapport à ce que vous voulez dire, par rapport à ce que vous voulez dire à l'autre, par rapport à ce que vous pensez de vous-même, ok, et des autres. Ça, c'est important. Et puis de durer. De durer. Ok. Alors, on me demande ici de tirer trois messages. Donc, je vais le faire. Trois messages pour trois groupes. Ok. Ben je reprends mes pierres. La pierre numéro 1. Alors, ce sont trois sardoniques. Des agates. Elles sont revenues dans l'ordre que j'avais déjà utilisé. Ben écoutez, voilà. Donc c'est comme ça. Ça doit être comme ça. La pierre numéro 1, elle est assez sombre. Alors elle a un côté plus clair.
Mais c'est celui-là qu'on me dit de vous présenter. Donc, on ne voit pas trop ces nuances. C'est peut-être comme ça qu'il faut que je... Voilà. Pierre numéro 1, je vous laisse rentrer en résonance avec cette pierre. Pierre numéro 2. Et la pierre numéro 3. Allez, on y va pour les messages. On va voir les messages un peu plus personnalisés. Alors. Ah ben, ça veut sauter, dis donc. Il y a des guérisons, je vois, sur des emprises. Hein. Ok. Vous avez de l'aide qui arrive. Allez, pour voir. Alors, je dépose pas les cartes de façon régulière. En fait, c'est... Voilà, ma main est guidée et je fais comme ça vient. Il n'y a pas de logique là. Il n'y a pas de logique, donc voilà, je laisse faire. C'est automatique. Hein. Est-ce qu'on a toutes les cartes hein? On me dit de rajouter une carte couleur ici. Alors j'y vais. Pour le groupe numéro 2, il y aura une carte couleur. Ok, allez, on est bon? Non, on n'est pas bon. Ok, alors... Voilà, allez, on y va cette fois-ci. Donc, je vous laisse le temps de mettre en pause, peut-être pour choisir votre pierre. J'enchaîne. Et puis, voilà. Allez, et puis vous écoutez le message, vous voyez s'il vous parle. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Et vous regardez, vous pouvez librement regarder les trois messages. Hein, c'est vous qui voyez, il n'y a pas de souci. Donc, la pierre numéro 1. Pierre numéro 1, on va voir le message. Donc, on m'a guidé vers pas mal de cartes. Ben, super ça. Waouh, le bonheur, la tendresse. Alors, la solitude et l'espionnage et le soutien. Alors, peut-être qu'il y a des gens là, vous avez une relation difficile avec une ancienne situation. Qu'est-ce qu'on a? Vous méritez l'amour, soft whisper. Là, j'ai quelqu'un. Alors, peut-être que vous êtes en transition, hein, certains. Votre couple n'est pas super officiel, mais en même temps, j'ai quelqu'un qui se sent très seul dans la relation actuelle et qui peut-être essaye de chercher autre chose, voyez, ou a déjà trouvé quelque chose, quelqu'un, une situation, parce que regardez, tendresse et bonheur. La difficulté face à laquelle vous êtes, elle fait partie d'un grand plan. Vous n'êtes peut-être pas dans la situation sentimentale idéale actuellement. Vous ressentez un manque, vous ressentez... un manque de mise en phase avec votre autre. Et vous méritez le vrai amour. Vous avez besoin d'aller le chercher, ce véritable amour, avec beaucoup de douceur et de soutien. D'accord? C'est un peu comme si on me disait, ben, en fait, voilà, ça sonne peut-être pas très juste ce que tu es en train de vivre. Est-ce que tu te sens soutenu ou est-ce que tu te sens piégé, surveillé? À vous de voir comment ça résonne par rapport à votre situation. Là, je vous envoie beaucoup d'ondes positives parce que je sens, si vous êtes en résonance avec cette situation 1, je sens que c'est pas facile hein, sur le plan physique, sur le plan mental. Il y a des douleurs, il y a des insomnies. Donc vraiment, je vous envoie beaucoup de soutien.
Je prends un peu de temps là pour envoyer de l'énergie vers ce groupe en résonance avec la pierre que je vous ai indiquée. Ok, groupe numéro 2 maintenant, on va regarder le groupe qui a choisi la deuxième sardonyx. Qu'est-ce qu'on a ici? Coup de foudre, prudence sur les communications. Il y a du véritable amour, une renaissance, une réparation du cœur, des sentiments romantiques. Waouh, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le rose lotus, il vient nous parler de compassion et d'amour, clairement. Joie et jubilation. Bon, bah écoutez, alors, prudence quand même. Prudence, parce que je ne sais pas ce couple, mais en tout cas, il vous fait beaucoup de bien, là. Vous êtes dans une situation très positive. Il y a quelque chose de très passionné, passionnel. Peut-être que ce couple, il vient de se former. Moi, je ressentais quelque chose de beaucoup plus ancré, mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose de beaucoup plus immédiat. Ou bien c'est en dehors du couple. Dans ce cas-là, je comprends mieux l'idée de prudence. Prudence aussi sur l'intensité. Sur l'intensité du mouvement, ça ne veut pas dire que tout est faux. Ça veut dire qu'il y a besoin d'y aller à votre rythme. À votre rythme. Vous avez besoin de libérer votre joyau intérieur, oui. Et puis de transformer ou réparer les choses pour récupérer une énergie positive. Vous avez le droit de vivre vos sentiments, ils sont là, hein, ils s'expriment, il y a du plaisir à aller chercher, d'accord? Prenez le temps qu'il vous faut, prenez le tempo qui vous va bien, d'accord? Message simple, clair. On ne monte pas à fond dans les tours. C'est tout ce qui est conseillé là par le taureau, n'importe quoi. Quoique c'est peut-être un taureau hein, qui vient vers vous, ah ben, tiens ça... Et en plus, c'est pas le tarot, ça peut pas être le tarot, c'est même pas un lapsus, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a en tarot, en tarot? Ben oui, alors en taureau-tarot, on a Uranus. Ben oui, Uranus, c'est je casse tout. Je casse tout, ben oui, vous êtes dans des énergies comme ça aussi. Hein. La tour, je casse tout, j'ai envie de changer les choses. C'est votre énergie du moment peut-être, hein, pour certains d'entre vous, mes Gémeaux. Prudence quand même pour garder l'équilibre. Oui, il y a du changement, d'accord? Oui, il y a du plaisir. L'invitation de l'oracle, elle est tout à fait claire là-dessus. Il y a aussi besoin de rester ancré quand même. Hein. Mais c'est clair qu'il y a du plaisir à aller chercher. Donc, ben, ne vous gênez pas, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Avec modération, avec prudence. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, ne faites pas n'importe quoi non plus. Ne vous mettez pas en danger, tant sur le plan physique que sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan... financier aussi, hein. Il y a des choses concrètes à regarder dans la vie de tous les jours. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a la réalité matérielle, émotionnelle, donc voilà. Mais il y a de belles énergies à aller chercher là, donc go hein. Allez, le groupe numéro 3 maintenant. Alors, groupe numéro 3, on y va. Bon, ben des projets, des promesses, un regain d'énergie, la libération... C'est excellent comment ces cartes, elles sortent toujours par paire. Alors, vous avez vu, je les étale. Hein. Des fois, elles sautent, mais je les étale, je les sélectionne. Hein. C'est un truc de dingue. Il y a des gens qui se libèrent d'attachements en ce moment. Beaucoup. Hein. Il y a des libérations, et c'est tant mieux. Hein, de sortir de l'emprise de gens toxiques. Hein. Vraiment, ça, c'est bien. Osez plonger, vous lancer. Ça, c'est les énergies de Jupiter, du Sagittaire. C'est la tempérance aussi qui fait le lien sur le plan des idées, sur le plan spirituel. Laissez partir votre ex. Souvenir. Ok, donc le passé, on le laisse à sa place. Tout à l'heure, il me semble que j'ai la carte qui a sauté, la fin du passé. Je ne sais pas si c'était pour vous ou si c'était pour les célibataires. Il y a des choses du passé, de toute façon, à libérer. Le temps est venu de purifier votre énergie, oui, et de vous lancer avec votre autre, hein, parce qu'on est sur les couples, là. Sur des projets, avec un regain d'énergie, il y a des projets à lancer. Hein. D'accord? Il y a un nid à construire peut-être, une maison à construire, à acheter, une location à prendre ensemble. Vous êtes en train de vous libérer de ces chaînes. Peut-être ces chaînes du passé, ces chaînes d'une relation qui ne vous convient plus, qui ne vous a plus convenu. Et vous êtes déjà parti, ça va dépendre de chaque situation. Osez,
Osez avancer, vous n'avez rien à perdre. D'accord? Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et bien voilà, donc ça c'était le message pour le groupe numéro 3. J'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous a plu, mais j'ai moi en couple. J'arrête là, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de très belles choses sur le plan sentimental et à tous les niveaux pour le mois d'octobre. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!